Quand le sujet de la violence en ligne contre les femmes est abordé, c'est souvent sous l'angle du fait divers. On dit que c'est la faute à pas de chance, que la technologie est devenue folle, ou que, oui mais bon, la victime n'avait quand même pas sa langue en poche. On croit que ça n'arrive qu'aux célébrités, que c'est le revers de la médaille. On part du principe que les hommes encaissent pareil. On ne voit pas le schéma, les redondances de ces cyberviolences. On ne voit pas que toutes ces histoires disent en réalité la même chose. Elles disent le mépris des femmes. Elles montrent que cette haine est si banalisée qu'on ne prend même pas la peine d'en parler. Alors nous voilà, femmes, journalistes, qui avons appris, comme tant d'autres, à vivre avec le harcèlement, mais qui refusons de l'accepter pour autant. Ce film est là pour ça. Pour que ceux qui le regardent ne puissent plus dire qu'ils ne sont pas au courant. Parce qu'un problème qui affecte 73% des femmes à travers le monde n'est pas une somme d'incidents isolés. C'est un fait de société.